Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans ma serre où on va parler plus généralement du potager et d'un problème qui est très très récurrent chez la majorité des jardiniers, sur un grand nombre de jardiniers qui ont ces problèmes-là au printemps ou en automne. On va donc parler des limaces. Enfin, tu nous fais une vidéo sur le potager, on en avait marre un peu de toutes ces vidéos sur la forêt ou je sais pas quoi là. Ça fait un bon nombre d'années que je joue, mais je suis pas le seul, hein, de parler comment jardiner avec les limaces. Donc il y a tout un tas de stratégies que l'on peut développer quand on veut jardiner et ne pas être trop embêté par les limaces. Parmi les stratégies, c'est planter beaucoup plus que ce dont on a besoin. Hein. Sur le même espace, sur un espace donné, au lieu de mettre deux salades, on va en mettre quatre. Comme ça, si les limaces en mangent deux, on a quand même une quantité de salades. Ça demande pas plus d'espace, on les plante juste plus serrées. Et quand elles grossissent, qu'elles se dérangent, que les limaces ne les ont pas mangées, on n'a qu'à les couper. Une deuxième stratégie qui est très intéressante pour jardiner avec des limaces sans avoir trop de problèmes, c'est de favoriser la biodiversité dans son ensemble. Favoriser les carabes, hein, vous savez, les petites bestioles qui vivent dans le paillage ou dans les tas de bois. Favoriser les crapauds qui vont également manger des limaces. Favoriser en gros les prédateurs des limaces. Donc planter plus que prévu, favoriser les prédateurs des limaces, le hérisson par exemple, qui aiment bien se cacher, faire des cachettes à hérissons. Et une autre stratégie, c'est planter des plantes au feuillage rouge. Là, je sais pas si vous les voyez à l'écran, il y a tout un tas de laitues aux feuilles rouges. En général, les plantes avec un feuillage rouge se font un petit peu moins manger par les limaces. C'est la même chose pour les plantes un peu frisées, comme les laitues frisées, qui ont tendance à se faire manger un petit peu moins par les limaces. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les limaces mangent aussi les plantes au feuillage rouge et mangent également les laitues frisées, hein, mais c'est juste qu'il y a une tendance à un peu moins se faire manger. Voilà, en gros, parmi les techniques que je préconise, hein, favoriser la biodiversité, planter plus que nécessaire et avoir certaines plantes au feuillage rouge qui se font un peu moins manger, où il y a tout un tas de végétaux qui se font moins manger que d'autres, hein, des tomates généralement. Elles sont moins mangées par les limaces que des petits choux, des petites laitues ou des petites courgettes. Donc voilà, réfléchir un petit peu à ça. Après, il y a des stratégies que moi, je n'aime pas vraiment. L'achat des granulés bleus, là qu'on met dans le potager, vous voyez, les petits granulés bleus qui empoisonnent les limaces. Alors moi, j'aime pas pour plein de raisons, mais notamment, ça nous rend totalement dépendants de ces petits granulés. Si on les a plus, une année sans... Quand on utilise ces granulés, en fait, on n'a jamais les prédateurs des limaces qui peuvent s'installer. Ou difficilement, disons. Et puis chaque année, on prend l'habitude de mettre nos granulés bleus. Et si on n'a pas nos granulés bleus, en fait, on ne sait plus produire des légumes. Donc, j'aime pas trop ce principe de dépendre d'une jardinerie pour pouvoir jardiner. Il y a des techniques également, les pièges à la bière. Mais pareil, je suis pas tellement fan des pièges à la bière parce que ça marche. Enfin, ça va noyer des limaces, mais il y en aura toujours d'autres qui vont arriver. Et de temps en temps, ça noie aussi les carabes qui vont également se noyer un petit peu dans la bière. Et les limaces sentent l'odeur de la bière de très très loin, du coup elles vont arriver dans le potager. Enfin, pour moi, c'est pas une stratégie qui est vraiment efficace de mettre de la bière pour noyer les limaces. Après, il y a tout un tas d'autres stratégies que je trouve moyennement pas efficaces. Écraser des coquilles autour des coquilles d'œufs autour des laitues par exemple, mettre de la cendre, mettre des marcs de café, toutes ces stratégies-là. Je suis pas hyper convaincu de l'efficacité. Alors normalement avec les stratégies, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les limaces, avec planter plus que nécessaire, favoriser la diversité et avoir des plantes feuillage qui se font moins manger par les limaces. Généralement moi ça me suffit très bien pour jardiner, hein. Depuis des années c'est comme ça que je jardine, vous le voyez dans toutes mes vidéos sur le potager de A à Z, sur que faire au jardin, etc. J'arrive à m'en sortir comme ça, carrément correctement. Mais là, cette année, depuis cette année, j'ai expérimenté une nouvelle stratégie pour voir un petit peu comment ça pouvait le faire. Et donc, j'ai fait quelque chose en fait qui fait que maintenant, je n'ai quasiment plus aucune limace dans le jardin. Quand je dis quasiment, il y en a toujours un petit peu. Mais quand même, maintenant, quand je plante une salade, je sais que je vais avoir une salade qui ne va pas se faire manger. Quand je plante une plante, je ne vais pas avoir d'attaque de limace. Donc c'est quand même quelque chose d'assez changeant et de très pratique. Donc ma stratégie, c'est tout simplement en fait que j'ai intégré dans mon potager des canards coureurs indiens. Ce sont des canards qui sont peu mangeurs de végétaux, même s'ils en mangent un petit peu, et qui sont de très grands prédateurs de gastéropodes, limaces, escargots, limaçons et autres bestioles rampantes gluantes qui mangent nos légumes.
Ça fait quasiment un an que j'ai ces canards qui sont intégrés dans mon potager et je n'ai quasiment plus une limace dans le jardin. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo cet automne où je montrais que je réintégrais des limaces dans mon potager pour nourrir les canards. Ça avait fait réagir pas mal de personnes qui avaient pas l'air de me croire. Pourtant, c'est ce que je fais en fait, mes canards pour les nourrir. Je sais qu'ils adorent manger des limaces et comme j'ai quasiment plus aucune limace dans le potager, ben, quand je trouve des limaces un peu partout dans le jardin, j'en emmène des poignées pour nourrir mes canards. Donc, concrètement, j'amène des limaces dans mon potager, mais elles se font manger tellement vite que je n'ai pas. Elles peuvent pas s'installer, elles peuvent pas se reproduire, elles peuvent pas être nombreuses dans mon potager, même si j'en ramène de nombreuses poignées. Comme pour toute chose, hein, il y a forcément des avantages et des inconvénients à introduire des canards courants indiens dans son potager. Je vais vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients selon moi. Avant de vous faire cette vidéo, je voulais attendre d'avoir l'expérience. J'aime bien parler de choses que je maîtrise un petit peu. Maîtrise, c'est vraiment plein de guillemets à maîtrise. Hein. En tout cas, que j'ai expérimenté un petit peu. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'ai des canards courants indiens. Ça fait plus d'un an, enfin pas plus d'un an, ça fait à peu près un an qu'ils sont intégrés dans mon potager en permanence. Quasiment, la nuit je les enferme dans une cabane, mais ils sont sinon quasiment en permanence dans mon potager. En premier avantage, je dirais que les canards courants indiens, contrairement aux poules, ne grattent pas le sol. Ils ne vont pas vous remuer le paillage, vous mettre le bazar dans le potager, parce que ce ne sont pas des animaux qui vont gratter avec leurs pattes. Au pire, ils ont tendance à tasser avec leurs pieds palmés et ils cherchent avec leur bec, ils farfouillent dans le paillage avec leur bec pour attraper s'ils peuvent trouver des limaces ou autres petites bestioles. Donc ils ne dérangent pas le potager. Contrairement aux poules qui sont beaucoup plus difficiles à intégrer dans un potager en production parce que la poule, ça gratouille de partout. Autre avantage des canards courants indiens, c'est pas valable pour tous les canards, mais c'est que ce sont des canards qui mangent très très peu de végétaux. Moi, tout l'été, ils ont été dans mes courgettes, dans mes pommes de terre, dans tout en fait. Ils ont mangé très très peu de végétaux. Du coup, quand je dis très peu, ça veut dire quand même qu'ils en mangent un petit peu, notamment les jeunes feuilles de navet qu'ils aiment bien, les jeunes laitues vraiment minuscules qu'ils aiment bien parfois manger un petit peu selon ce qu'ils ont d'autre à manger. Généralement, ils préfèrent les plantes aquatiques, hein, donc quand il y a des végétaux dans la mare, ils préfèrent manger ces plantes-là en priorité. Mais voilà, ils mangent très peu de végétaux et puis c'est beaucoup plus facile de protéger un mètre carré de salade ou 2 mètres carrés de salade ou de autres petits végétaux. Des canards, il suffit juste de clôturer la zone avec un grillage amovible, le temps que les salades grandissent un peu. Là, quand elles sont cette taille-là, en général, ça va. On peut les protéger plus longtemps aussi. Ça dépend aussi des canards. Chaque canard a un petit peu sa façon d'être. Du coup, c'est beaucoup plus facile de contrôler des canards que des limaces qui se faufilent partout par centaines et par centaines. Une autre façon de protéger ces cultures, c'est de faire des bacs surélevés. Moi, j'ai fait des bacs qui sont à peu près à 60 cm de hauteur et tout ce que je cultive à l'intérieur est hors de portée des becs de canard. Même quand ils se dressent au maximum, ils n'arrivent pas à manger les végétaux dans le bac de culture. Ils arrivent quand même à manger les feuilles qui pendouillent, notamment sur les navets cet hiver. J'ai bien vu qu'ils aimaient manger les feuilles des navets qui pendouillaient, mais ça n'a causé aucun problème sur la récolte et la production de navets. Voilà donc à quoi peut ressembler mon potager une bonne partie de l'été. Donc là-bas, on voit des bacs de culture qui sont surélevés de 60 cm, dans lesquels j'ai pu faire mes semis de carottes, planter tout un tas de petits végétaux hors de portée des becs de canards. Ici, on voit des zones protégées avec une clôture pour empêcher les canards de rentrer, où je peux également faire des petits semis ou repiquer des petites laitues, des petits choux, sans risquer d'avoir de dégâts de canards. Et puis tout le reste du potager est totalement ouvert à tous les canards, comme ça ils se baladent, ils protègent le potager en général. Et à l'extérieur du potager, les limaces sont libres de sévir tant qu'elles veulent. Les bacs de culture que je considère comme sécurisés contre les attaques de canards sont des bacs de culture réalisés en planches de coffrage qui montent à au moins 60 cm. Parce que les bacs de culture que je fais en bottes de paille ou en bottes de foin ne sont pas assez hautes en général
Et en plus, les canards, quand la botte de foin ou la botte de paille va se dégrader, elle va s'affaisser un petit peu et les canards seront capables de monter dessus. Donc, ce n'est pas une zone protégée, on va dire, des canards. C'est une zone, comme les autres zones du potager, ouverte aux canards. Donc, ça ne gratte pas le sol, ça ne mange pas énormément de végétaux et c'est facile à contrôler. Et en troisième avantage, je dirais que c'est hyper agréable de jardiner en présence des canards. Quand je mets du paillage, quand je gratouille la terre, quand je remue un peu, ils viennent vite voir derrière, ils viennent assez proches, regarder ce que je fais. Et j'aime bien jardiner en présence de ces canards qui sont vraiment, je trouve, très rigolos et sympathiques. Un autre avantage qui est carrément non négligeable si on veut avoir un potager productif en diverses choses, c'est que le canard coureur indien est un des meilleurs canards pondeurs. Enfin, les cannes du coup, la canne canard coureur indien pond, on va dire, elle est 150 œufs par an. Ça dépend, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend du climat, etc., etc. Mais en tout cas, moi, chez moi, je pense que la femelle pond environ 150 œufs par an. Ce qui fait que sur la même taille de potager, j'ai en plus des productions d'œufs. Donc en gros, les canards transforment les limaces en œufs et du coup, ce sont des très très bons œufs. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant pour augmenter la productivité d'un potager, d'avoir ces canards qui vont protéger nos cultures la plupart du temps, même si parfois ils peuvent créer des petits dégâts, et produire des œufs sur la même surface, quoi. Parmi les autres avantages, c'est que le canard coureur indien, il ne chasse pas que les limaces et les escargots. Il chasse à peu près tout, donc ça limite la quantité de pierrides du chou sur les choux. Vous voyez les petites chenilles qui mangent les feuilles des choux. Il chasse même les papillons. Ça chasse également un petit peu les doryphores sur les pommes de terre. Quand on a un champ de pommes de terre, le canard coureur indien va manger les larves de doryphores, enfin les miens, certains le font. Autre avantage, ce sont des animaux qui fertilisent le potager avec leurs fientes. Ce sont des fientes très riches en azote, très très nourrissantes pour le potager, donc ça fait partie des avantages. Un autre avantage, si on veut produire des œufs, qu'on habite très proche de ses voisins, en ville, etc., en gros, les canards coureurs indiens font moins de bruit que les poules et le coq réunis, quoi. Parce que si... les femelles cannes font un peu de bruit, elles envoient un petit peu la voix, mais c'est vraiment beaucoup plus faible qu'une poule qui a pondu un œuf, par exemple, ou qu'un coq qui chante. Donc c'est un peu bruyant, mais vraiment très peu bruyant. Du coup, si on veut produire des œufs en ville sans déranger le voisinage avec les bruits, ça peut être un bon compromis. Après, bon, il y a quand même un bruit de la femelle canne. Hein. Le mâle fait très très peu de bruit avec un son très aigu que je n'arriverai pas à vous imiter là. Et un autre avantage de ces canards coureurs indiens, c'est qu'ils sont, ils volent pas, ils savent pas voler, du coup, enfin, ou très très bas, ils volent à moins d'un mètre, on va dire. Donc ils sont simples à clôturer. Donc c'est très simple d'introduire ces canards dans un potager et les clôturer. Moi, j'ai des clôtures qui font 80 cm et ils n'en sortent jamais. Ce sont des animaux qui vont en quelque sorte entretenir les mares. Surtout si on fait une mare, on va dire, naturelle, sans bâche, sans matériaux, juste de l'argile au fond. Alors déjà, ils vont éviter que la végétation colonise totalement la mare. Quand on a des petites mares, des petits bassins, etc., souvent les végétaux ont tendance à envahir la zone et du coup, on voit même plus qu'on a de l'eau. Les canards coureurs indiens, ou les canards en général, vont nettoyer, maintenir les végétaux. Donc on a toujours de l'eau facilement apparente parce qu'ils vont entretenir la végétation. Ils vont la limiter, la réduire considérablement, et ils vont également avoir tendance à étanchéifier la mare. À force de patauger dans l'eau avec leurs pieds palmés, ils vont remuer les argiles, et les argiles les plus fins vont se déposer sur le dessus, et du coup ça créera une étanchéité en plus additionnée aux fientes, bien plus grande qu'une mare sans canard. Donc les canards ont tendance à entretenir leur écosystème, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir un plan d'eau et ils ont tendance à entretenir ce plan d'eau ouvert sans végétaux qui colonisent tout et en augmentant l'étanchéification de la mare. Voici à quoi ressemblait la mare du potager le printemps dernier quand j'ai introduit les canards coureurs indiens. Et voici à quoi ressemble la mare au mois de mars de cette année. Alors peut-être me direz-vous, c'est pas la même saison, c'est pour ça. Mais voici à quoi ressemble une autre mare sans canards à la même période. C'est une mare qui est complètement végétalisée, notamment par ce qu'on appelle le faux cresson, une plante comestible.
Donc, si on veut résumer très vite, on peut dire que les canards, ils grattent pas le sol, ils ne mangent presque pas de végétaux, ou alors ils sont faciles à clôturer, à maintenir. C'est très agréable de jardiner avec eux. On a une production d'œufs, ça chasse les limaces, les escargots, mais également les pierrettes du chou, les doigts forts. Ça fertilise le potager. Dans l'ensemble, c'est moins bruyant qu'un coq et ses poules. C'est facile à clôturer et ça entretient la mare avec l'eau apparente. Voilà en gros ce que j'ai listé là vite fait. Voilà, cocorico, dit le coq. Maintenant, comme dans toute chose, il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients. Et du coup, le canard coureur indien n'est peut-être pas intéressant à introduire dans tous les potagers. Et on va donc voir un petit peu, moi, les inconvénients que j'ai listés. D'ailleurs, j'en profite là que j'y pense. Si vous-même, vous avez une expérience avec des canards coureurs indiens, n'hésitez pas à marquer vos retours d'expérience sur les avantages et les inconvénients. Ça pourra intéresser probablement les personnes qui se posent la question, est-ce que ça les intéresse d'avoir des canards coureurs indiens ou pas dans le potager. Je vous invite à faire tout ça d'écrire tout ça dans les commentaires. Bref, premier inconvénient, je dirais, c'est que, comme la plupart des animaux, le canard coureurs indien, je trouve que ça augmente les besoins de présence humaine. Un jardin potager a peu de besoins de présence humaine, mais par contre, un potager avec des canards, il y a besoin d'un peu plus de présence humaine. Pour plusieurs raisons, les canards, moi personnellement, je les ferme le soir, je les protège des renards, parce que j'ai pas mal de renards partout en fait qui se baladent ici. Donc la nuit, ils dorment dans un endroit sécurisé, c'est moi qui les rentre et qui les ouvre, enfin qui ferme et qui ouvre le matin. Il y a des moments où les limaces ne sont pas assez présentes, il n'y a pas assez à manger dans le potager, du coup je mets des graines. Selon comment est fabriqué, moi l'eau ça va, c'est assez autonome, comme j'ai une source qui coule dans le jardin, l'eau se renouvelle automatiquement, donc j'ai pas besoin de gérer l'eau de mes canards. Mais selon comment le jardin est fait, si on a une source, pas de source, si on remplit des bassines ou pas, il faut nettoyer l'eau, changer l'eau très très régulièrement parce qu'ils ont tendance à salir leur eau. Donc voilà, toutes ces choses-là font qu'en fait, ça demande beaucoup plus de présence humaine que si on avait un potager sans animaux. Pareil, parmi les inconvénients, il faut prévoir de la nourriture parce que c'est difficile de nourrir les canards coureurs indiens dans le potager. Donc avoir un petit peu, ça mange la même chose que les poules, quoi, des graines comme pour les poules, on va dire. En complément, alors la nourriture de base c'est quand même ce qu'ils vont trouver dans le jardin avec les végétaux et les petits animaux, mais il faut compléter avec de la nourriture un petit peu. Il faut avoir de l'eau, si on a un terrain complètement sec et qu'on n'a pas d'eau, les canards vont gaspiller entre guillemets de l'eau. Il faut penser à un abri pour les protéger des renards si on habite dans une zone où il y a des prédateurs. Je dis renard, mais ça pourrait être fouine ou autre martre, peu importe, un prédateur quoi. D'autant plus que comme ils savent pas voler, ils peuvent juste courir et ce sont vraiment des proies faciles. En protection contre les renards, on peut aussi, inversement, soit on a un tout petit jardin, mais on peut avoir également un terrain immense et avoir un étang, c'est une excellente protection contre les renards. Les canards peuvent se réfugier, dormir sur un îlot, on va dire, au milieu de l'étang. Les renards n'y iront pas. Et ça peut être une très bonne technique pour les très grands jardins, avoir un étang et une petite île au centre. Et là, on sait que les canards seront protégés des renards, ils dormiront sur l'île sans aucun problème. Mais ça, c'est pour quelques jardins, c'est un cas particulier. Un des inconvénients majeurs par rapport à mon regard, à ce que je veux de mon potager, c'est que les canards coureurs indiens, en fait, les avantages, ce sont souvent les inconvénients selon comment on regarde les choses. C'est que c'est un très grand chasseur de gastéropodes, de pyrites du chou, de tout un tas de chenilles. Mais du coup, c'est pour moi en quelque sorte une problématique, c'est-à-dire qu'on a un potager beaucoup moins riche en petites bestioles dans tout genre, quoi, parce qu'ils vont manger tout ce qui rentre dans leur bec, en gros, je simplifie, même les araignées, tout ce qui peut rentrer dans leur bec, ils vont le manger. Du coup, moi, mon jardin potager a beaucoup moins de biodiversité à ras du sol, une petite bestiole, parce qu'il y a les canards. Dans la mare à canards, plus de tritons, plus de grenouilles, plus de libellules, enfin tout ce qu'ils peuvent manger, ils vont le manger. Donc il faut prévoir, si on introduit des canards coureurs indiens dans son potager, je pense qu'il est important de prévoir des zones refuges pour la biodiversité, des zones où les canards n'ont pas accès. Donc moi j'ai la chance d'avoir un très grand jardin, du coup j'ai plein de mares naturelles où il n'y a pas de canards. Donc les tritons peuvent se reproduire, les grenouilles peuvent se reproduire, les libellules peuvent se reproduire. J'ai plein d'endroits avec des herbes hautes, donc j'ai tout un tas d'araignées qui squattent les herbes hautes. J'ai des endroits avec de l'herbe basse humide pour avoir des limaces, parce que ces limaces, moi je les aime bien. C'est pas un ennemi absolu avec lequel je veux me battre, la limace, je l'aime beaucoup. Elle nourrit les hérissons, elle nourrit les carabes. C'est un dégradeur de matière organique, donc j'ai des zones
plein de zones, en fait, dans la majorité de mon jardin, en fait, les canards n'y ont pas accès. Du coup, ou alors c'est la grande prairie, mais la grande prairie est tellement immense que quatre canards ne peuvent pas manger toutes les limaces de cette prairie. Voilà, du coup, c'est intéressant quand on a un potager et qu'on veut introduire des canards courants indiens, selon moi, de préserver des zones pour la biodiversité où les canards n'ont pas accès, et avoir un point d'eau sans canards, ça change vraiment beaucoup de choses. Dans les inconvénients, je dirais que ce ne sont pas des canards qui sont muets. Le mâle fait très 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 peu de bruit, mais la canne, de temps en temps, le matin, quand elles sont toutes excitées, elles font coin 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 coin. Et du coup, ça peut être quand même un peu dérangeant pour le voisinage. Ça dure très peu de temps. C'est peu dérangeant, mais quand même, c'est à prendre en considération si on a des voisins proches. Parmi les petits inconvénients, on peut également trouver quelques fientes au potager. On n'a peut-être pas envie de marcher pieds nus dans une petite fiente de canard, même si ça a tendance à disparaître extrêmement vite. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais j'imagine que si on veut qu'on a un tout petit potager, qu'on veut s'étendre dans l'herbe de son potager, on est obligé un peu de regarder ce qui se passe autour. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. Et puis dans les inconvénients, c'est que ça mange certaines feuilles tendres. Moi, j'ai remarqué que ça mangeait donc les jeunes laitues un petit peu, les jeunes feuilles de radis, navets, vous voyez, toutes ces plantes-là, là. Même les choux chinois, les jeunes feuilles de choux chinois, ça mange pas les fraisiers, mais par contre, moi, chez moi, ils mangent les fraises. Donc, j'ai un endroit, quand les fraises vont mûrir, ils mangent les fraises mûres. Quand les fraises vont mûrir, je dois protéger la zone au moment de la récolte des fraises. Par contre, chez moi, ils mangent pas les framboises, ils mangent pas les mûres, ils mangent pas les groseilles, ils mangent pas les cassis, ils mangent vraiment en fruits rouges que la fraise, pour le moment. En résumé, les inconvénients d'avoir des canards courants indiens dans son potager, je dirais que c'est qu'il faut de la présence humaine, il faut de l'eau propre, il faut de la nourriture en hiver notamment, faut une protection, réfléchir à une protection contre les prédateurs, les renards ou les fouines. Ça a tendance à réduire la biodiversité dans le potager ou dans les mares dans lesquelles ils vont. Ça fait un peu de bruit, ça produit quelques fientes et ça mange quelques petits jeunes végétaux. C'est plutôt les jeunes végétaux qui se font consommer. Les plantes un peu grosses, un peu plus adultes, avec les feuillages un peu plus durs, ne les intéressent pas. Ils vont toujours s'intéresser aux feuilles les plus tendres du jardin. Alors moi, franchement, malgré les inconvénients, je suis vraiment très 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 content d'avoir introduit des canards courants indiens dans mon potager. Je pense que maintenant que j'ai fait ça, je pense pas que j'aurais envie d'avoir un potager sans canards courants indiens maintenant, parce que je trouve que ça va vraiment... Ces deux éléments, je trouve qu'ils vont vraiment extrêmement bien ensemble parce que j'ai la chance d'avoir des zones autour de biodiversité. Pour moi, la biodiversité, elle est un peu dans le potager, mais surtout dans tout ce que je fais autour du potager. Donc moi, dans mon cas de figure, je ne reviendrai pas en arrière. Je pense que j'aurai tout le temps des canards courants indiens dans mon potager. Je dis ça maintenant, peut-être dans 2 ans, je dirai l'inverse. Mais bon, pour le moment, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que je suis hyper content de cette association canards potagers. Alors un petit explicatif vite fait de comment je gère mes canards. Donc moi j'ai deux bandes de canards, une bande qui vit en permanence dans le potager là-dedans, sauf les zones protégées comme je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai une autre bande de canards qui vit en liberté plutôt de ce côté-là. Donc les canards qui sont en liberté ont accès aux grandes prairies, ont accès à une petite mare et ont accès à l'étang. Et puis il y a tout un tas de zones sauvages où je ne veux pas qu'il y ait d'animaux d'élevage qui viennent. Donc voilà, tout autour du potager, il y a tout un tas de zones sauvages sans présence de canards. Bon, dans la serre, les canards ne peuvent pas rentrer. La serre est fermée avec des petites clôtures parce que je ne veux pas que les canards rentrent dans la serre pour le moment, parce que je n'ai pas de problème de limaces dans la serre. Donc j'essaye de préserver la petite biodiversité qui se trouve dans cette serre. Et également à côté de la serre, cette zone ici, que je peux, si j'ai envie, fermer complètement. Donc ça me permettrait, par exemple, au mois de mai, lorsque je fais tout un tas de petits semis partout dans le potager, de pouvoir, pendant un mois, disons, clôturer les canards à côté de la serre sans qu'ils aient accès au potager. Comme ça, en fait, j'ai une zone où il y a les canards en permanence et une zone de potager où les canards ils sont seulement quand j'ai envie. Même si pour l'instant, cette zone, je ne l'ai jamais fermée, les canards ont toujours eu accès à l'intégralité du potager.
Moi, je pense qu'avoir des canards coréens dans son potager, c'est une très bonne idée si on est présent au jardin. C'est-à-dire que si on veut partir 2 semaines en vacances, ben, c'est difficile d'abandonner 2 semaines de nos canards dans le potager, à moins d'avoir au moins un voisin qui vient rendre visite régulièrement à ces petits animaux. Ça augmente la productivité au mètre carré. Notre potager produit non seulement des légumes, mais il produit également des œufs. On a vraiment beaucoup moins de mauvaises surprises avec les canards coréens. Combien de jardiniers se sont réveillés un matin en allant voir leur potager et constater la disparition de 80% de leur plantation de la veille? C'est vraiment très très dur à encaisser quand on débute un potager, notamment. Avec le canard coréen, on n'a pas ces surprises-là parce qu'on sait clôturer nos canards, on sait la nuit ils sont enfermés dans une boîte donc ils ne mangent pas les cultures. Voilà, on a moins de mauvaises surprises. Après, il peut y avoir des mauvaises surprises, hein. Notamment, en fait, souvent, ils se couchent sur les jeunes plantations. Moi, quand je plante des jeunes choux, ils s'intéressent très peu au feuillage des jeunes choux. Mais par contre, des fois, ils s'allongent dedans. Donc, ils peuvent casser des petites cultures. Donc, je pense que vraiment, il faut protéger les jeunes cultures pendant, on va dire, le premier mois ou les premiers 15 jours, le temps que la plante commence à bien s'installer. Mais après, à partir de là, on a très très peu de mauvaises surprises avec les canards. Ils nous protègent en fait des, on va dire, mauvaises surprises. Et du coup, quand on introduit des canards comme ça, il faut, à mon avis, mais c'est valable en fait pas que pour les canards. En fait, quand on introduit un élevage quelque part, il faut penser à garder des zones refuges pour la faune et la flore sauvage, parce que notre élevage aura un impact sur la faune et la flore sauvage. Donc, garder des espaces refuges, prévoir dans son petit potager des zones sauvages pour la biodiversité. Grosso modo, moi j'ai un potager où je n'ai plus de limaces, hein, ou très 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 rarement. Ça m'arrive de croiser des limaces, c'est très très rare parce que comme mon potager est entouré de plein de jardins, donc de temps en temps la nuit les limaces peuvent rentrer. Mais c'est dès que j'ouvre les canards, ils partent tellement à la chasse que j'ai vraiment quasiment plus de limaces dans le potager. C'est vraiment très agréable, je trouve, d'avoir un potager avec des canards. Si ce sujet-là des canards coréens vous intéresse, je pourrais, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas trop si ça vous intéresse parce que ma chaîne, je parle peu souvent d'élevage. Donc, mais si jamais connaître le canard coréen, on va dire de A à Z, ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un immense, immense, immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. C'est incroyable et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!